Je m'appelle Irène, j'ai 42 ans et je travaille en tant que contrôleur de gestion dans une structure de 400 personnes. Bonjour, je suis Adeline, je suis assistante sociale à l'hôpital Fondation Adopt Rothschild. J'ai toujours travaillé à temps plein et suite à l'annonce de mon diagnostic, j'ai continué à travailler à temps plein. Il n'y a pas de règle concernant le temps de travail effectué par un salarié. Cela dépend du stade où vous en êtes dans votre maladie et il est tout à fait possible de travailler à temps complet. Alors, la fatigue peut devenir un frein et il vous est possible dans ce cas-là de demander des aménagements dans le cadre de votre emploi. Pour cela, vous pouvez en faire part à votre employeur et ou votre médecin du travail. Pour mieux gérer la fatigue, j'ai profité en fait de la mise en place du télétravail dans l'entreprise, comme l'ensemble des salariés. Donc au démarrage, 2 jours de télétravail par semaine. Et maintenant, depuis peu de temps, 3 jours de télétravail, ce qui est un vrai bienfait. Et l'autre point qui est important, c'est pour éviter un certain nombre de déplacements, parce que je suis en interface avec un certain nombre de personnes en France, l'utilisation d'outils de visioconférence et de vidéoconférence qui vraiment évitent les déplacements et une source de fatigue supplémentaire. Il est recommandé d'ouvrir des droits à la MDPH, notamment une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Libre à vous de faire valoir la RQTH. Alors, rien ne vous oblige à informer votre employeur de votre état de santé. J'en ai parlé avec mon responsable, avec qui je discute en toute confiance. Et ça nous a permis tous les deux de bien organiser notre tandem quelque part, puisque parfois je peux lui indiquer, écoute, aujourd'hui je suis fatiguée, je ne serai pas au top pour animer une réunion. Et donc à ce moment-là, on se coordonne, c'est lui qui prendra le lead. Alors, dans le cadre d'absences répétées en lien avec votre suivi médical, le code du travail permet aux salariés de pouvoir s'absenter sous réserve d'être en affection longue durée auprès de l'assurance maladie. Pour cela, il faudra justifier d'un certificat médical à remettre auprès de votre employeur ou de votre médecin du travail.